Je m'appelle Geneviève Bartoli, je suis art-thérapeute et psychothérapeute depuis, je ne compte pas les années, mais je sais l'année de mon inscription à l'URSSAF, c'est 1992. Je crois que ma touche personnelle, c'est vraiment d'être accueillante. C'est drôle de le dire comme ça, hein. Mais je n'ai pas d'a priori, ni de jugement, ni de... Vraiment, mon expérience de vie m'a appris que... Il ne s'agit pas d'être riche pour être heureux, il ne s'agit pas d'être intelligent pour être heureux, il ne s'agit pas... Mon expérience de vie m'a appris que c'est petit à petit, plus en étant dans l'autorisation à sa propre existence, que du coup, on arrive à se sentir mieux. Et ma pratique en psychothérapie, c'est ça. Comment je vais aider une personne à s'autoriser à être elle-même? Mais ça passe, ça, par la relation qu'elle va avoir avec moi. Donc je suis très ouverte et très sensible à la relation thérapeutique que je fais vivre. D'ailleurs, quand j'accueille une personne, elle peut me dire tout ce qu'elle a envie de me dire. Elle n'a pas à me protéger. Moi, je suis là à son service. Elle peut expérimenter des choses, elle peut vivre des choses, ressentir des choses. Et on peut en parler. Et je suis disponible à ce que les choses s'échangent entre nous aussi. Les personnes ont l'impression que s'ils vont en psychothérapie, ils vont en avoir pour des années, ou ils vont s'engager dans quelque chose. Et moi, j'ai envie de leur dire, non, vous êtes libre. Vous pouvez venir voir une fois, vous pouvez venir deux fois, vous pouvez rentrer dans un processus, ça vous appartient. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Guérir, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Mais vous en êtes libre de ça. C'est pour vous que vous le faites. Et pour votre entourage aussi, parce que ça a quand même des conséquences aussi sur l'entourage quand on se sent mieux.